Morning YouTube, aujourd'hui je te présente une nouvelle batterie. Cette fois c'est Ultimatron qui m'envoie une batterie. Donc c'est une Lithium Life Po 4 en 180 ampères. C'est une belle bête. On a les pôles ici qui sont bien protégés. La batterie est sympa, j'aime beaucoup. Coque en fer, ça me plaît beaucoup. Il fait très chaud encore en ce fin août. Alors pour cette batterie, donc là on est pour l'instant en présentation de batterie. À savoir que c'est une batterie que j'ai commencé à tester ces derniers jours. J'ai fait mon petit cachotier et je trouve que c'est une batterie qui réagit très très bien. Alors vous avez en lien dans la description, vous allez avoir le lien en description dans la vidéo. Là je vous la présente brièvement. Pour ce qui est de ses capacités, moi je trouve qu'elle réagit très bien. Encore une fois, vous savez que j'ai des demandes très fortes. Donc je trouve qu'elle fonctionne bien, que tout se passe bien. Ça fait quelques jours que je l'utilise et j'ai rien à dire. C'est une batterie qui est Bluetooth, que vous allez pouvoir observer absolument toutes les données par l'application qui est téléchargeable. Tu vois, il y a même le QR code qui est là. Tu as aussi une fiche qui est donnée. Alors, en gros, c'est une batterie qui a une capacité donc de 180 ampères-heure, de 2304 watt-heure exactement. La tension de fonctionnement est entre 10 et 14,6 volts. Tension nominale à 12,8. Une tension de charge à 14,6. On a un nombre de cycles de 3000 cycles à 80%. On a un courant de charge recommandé de 20 ampères. On a un courant de charge max de 50 ampères. On a un courant de décharge de 150 ampères et un courant de décharge en pointe entre 5 et 15 millisecondes à 450 ampères. BMS Battery Management System intégré. Donc on a un BMS bien évidemment dans cette batterie. Donc ça c'est très important. Un Bluetooth 4.0 avec une application smartphone. Indice de protection IP65. Température de charge entre 0 à 45 degrés. Température de stockage entre moins 5 à plus 35 degrés. Connexion en M8 pour un poids de 23,5 kg. Les dimensions, c'est 357 sur 338 sur 152. Alors, c'est une batterie que tu vas pouvoir installer à plat sous ton siège, à l'avant. Ça, elle y va, il n'y a pas de souci, entre autres, mais tu peux l'installer n'importe où du moment que tu ne l'installes pas à l'envers, c'est-à-dire les plots vers le bas, donc ou vers le haut ou allongé. Mais voilà, vous ne mettez pas les plots vers le bas. Je vais vous mettre une petite vidéo de l'application. C'est plus explicite, c'est beaucoup mieux. Vous allez voir, c'est parti. We'll be right back.
Donc je tiens à remercier Ultimatron qui m'a envoyé cette batterie, merci beaucoup. C'est un produit que je vais continuer à tester et que je trouve efficace. Donc très bonne réactivité, j'ai pu la tester ces derniers jours. Je trouve qu'elle fonctionne sans qu'elle soit trop casse-pied avec des sécurités, parce que vous savez, les BMS, bien évidemment, il faut des sécurités, c'est des batteries qui sont au lithium, la FPO4, il faut avoir un battery management system, le BMS, donc qui va s'occuper de couper quand il y a des problèmes. Et cette batterie, je trouve, elle réagit très bien par les grandes chaleurs qu'il y a eu ces derniers jours. Ben franchement, elle y va, c'est du bon matos, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà, ça va très vite pour la livraison. Voilà, je mettrai en lien le site de la batterie Ultimatron, 180 ampères, ça fait quand même pas mal, hein, ça fait quand même de l'autonomie, hein. Donc là, on est sur une très bonne batterie, on a de la compétence en stockage d'énergie. Voilà, moi je trouve que pour ce que j'en ai vu ces derniers jours, je trouve que ça fonctionne très très bien. Je vais continuer à la tester, à mettre un petit peu ses capacités à bout. Vous savez que j'aime bien un petit peu mettre à bout le matos, voir où jusqu'où on peut aller, jusqu'où ça va, hein, tout en préservant quand même le matos, mais voir un petit peu les plages de possibilités dans les capacités en autonomie, ce qu'on peut faire en énergie. Voilà, donc cette petite batterie Ultimatron va continuer à tourner dans le camping-car. Alors j'ai trouvé l'application très fluide, très pratique. J'ai pas trouvé l'application chiante ou qui buguait, ou je trouve que ça va bien, il n'y a pas de problème sur au niveau de l'application, c'est génial. Je vous invite à aller voir, mettre un petit pouce et pour me soutenir, et puis je vous invite à aller voir en description le lien de la batterie Ultimatron. On se retrouve très vite dans les vidéos, je vais présenter pas mal de choses qui arrivent, ça va énormément te plaire. Et là on rigole plus, on parle un petit peu sérieux. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard, ça vaut le coup. Ciao ciao tout le monde, merci pour la présence, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci, c'est très touchant de vous voir de plus en plus nombreux, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver qui vont être succulentes. Ciao ciao tout le monde.